Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur les traces de Johnny sur Open Versailles 4. Une série dans laquelle on aurait pu finir notre succès la dernière fois dans cette guerre contre les Ottomans. On a choisi de ne pas le faire, d'aller d'abord chercher Erevan pour avoir notre quatrième et notre bientôt cinquième, hein, puisqu'on est déjà en train de convertir Antioche, lieu saint de la foi copte, ce qui est très bien, même si, bon, fondamentalement, la bénédiction de légitimité, c'est pas la plus importante, évidemment. On est allé dans un sens où, oui, je pense que ça, c'était... Le sens qu'on a pris était assez juste. Ça, on peut discuter avec tous les... Ça, c'est quoi, juste ? Puissance des missionnaires. Non, c'est pas un missionnaire de plus, c'est puissance des missionnaires. Non, puissance des missionnaires, dans notre situation, c'était bien. Ça aura quand même été utile. Hein. On a, malgré le fait qu'on ait les doctrines religieuses, vu qu'on n'arrête pas hein, de conquérir du musulman, grosso modo, hein, du sunnite, bah, on est, surtout du sunnite, on est un peu obligé d'utiliser ça. Non, on va pas perdre la légitimité maintenant. De convertir beaucoup. Financièrement, c'est pas la grande joie. Ce qui est... Bon, on lutte beaucoup contre la corruption, parce qu'on a pas mal de surexpansion. Le problème, c'est qu'elle va pas... Ça... Le problème va pas être résolu rapidement, malheureusement. Bon, pour le moment, c'est pas un souci. On pourrait peut-être se mettre à l'abri en ayant demandé une contribution. On peut pas, non. Tant pis. Succès de la conversion. Ok, très bien. On peut prendre une doctrine... Ouais, on va le faire. Bien que... Bon. Que 3%. On est loin quand même de pouvoir avoir accès à ça. On est focalisé là-dessus, mais on fait quand même que, entre guillemets, 10 points. On pourrait peut-être baisser le niveau de notre conseiller administratif. Il est bien, hein, baisse de l'inflation, c'est très intéressant. Enlevons un peu d'agitation dans le pays et fais-nous gagner un petit peu d'argent. On va reprendre un peu d'inflation, tant pis, mais on gagne pas mal d'argent, ça va être pratique. On peut adopter la loi? Non. La propagation des institutions, c'est important. Et du coup, pour revenir à notre première question, est-ce qu'on attend pour prendre la tech? Ça augmente vraiment la cave, on s'en fout de la cave. Finis-moi ce groupe de doctrine, ça sera plus pratique. Et de ce côté-là, on va gentiment s'y mettre. On a converti Antioche. Parfait. Toi, tu vas aller chercher... Non, va me chercher un vrai général, quand même. J'avais pas vu qu'il avait deux de sièges, c'est quand même pas mal. Légitimité annuelle, oui, bah oui, on n'a pas trop le choix, de toute façon. Et puis, ici, on peut toujours rien faire de ce côté-là. On peut... Non. Et... Ouais, bon, là, il y a du zèle religieux, c'est juste... Ok, alors, Timmy. Alors, bon... Oh, désunis. De l'efficacité de développement, de l'efficacité administrative, du nombre d'états, c'est une sacrée tech quand même, hein, celle-là. Ah, mais on est 200 d'avance. Ah ouais, non, mais non. Ah bah non. On n'a pas besoin de développer pour le moment, ça, tranquille, pas de soucis. Ok, si je décide d'attaquer Timmy, on disait, donc ça fait venir Kazan et l'Irak. Kazan, tu veux vraiment pas, je crois qu'on a une trêve, donc on va pas pouvoir le demander de rompre, non, si on pourrait. L'Irak. Bon. Des rebelles ou des particularistes éthiopiens à Dagehabour. Dagehabour et Erzincan. Alors. Dagehabour, c'est droit là. Et Erzincan. D'accord, on est déjà bon, très bien. Ils seront combien? 16 000. Ok, ce qui veut dire que toi, si je te mets un... Bah non, toi, tu prends celui-là plutôt, puis tu vas aller ici pour te préparer à attaquer l'Irak, ici. Ok, mettre celui-là qui est un peu moins nul. Et puis, on va se préparer à attaquer Timmy. Allons-y. De toute façon, on n'aura aucune... Ça ne va pas nous faire encore plus de surexpansion. Il n'y a pas de souci, c'est que de la reconquête. Je veux reconquérir pour le moment. Ce serait de la reconquête Khorasan que je veux. Reconquête. C'est lequel? Quel est Khorasan? Ça, c'est Khorasan, on est d'accord. Ouais, donc ça, c'est Khorasan. Prendre la province de Birjand. Très bien.
On va pas dire à la Russie de venir, on s'en fout. Alors, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Très bien. Ok. Nice. Ok. Ça n'empêche pas qu'on a d'autres provinces à convertir. Celle-là, là, mais elle a trop de problèmes contre les missionnaires. La migration Oromo à Kaffa. Kaffa, Kaffa, c'est genre notre mine d'or, non? Ils ont changé la religion de notre mine d'or. C'est probablement pas idéal. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand est-ce que ça part, la migration? C'est déjà parti, en fait. Ou bien c'est... peut-être? Non, non, c'est bien ça. Tu peux y aller. Let's go, reconvertis-moi tout ça. Très bien. Et toi, ah, j'ai oublié de te faire arriver là. Ok, moi tu vas aller là. Ici, Elkatif, ça joue. Ici, on va aller par là quand même. Faire gaffe aux Timurides. Ok, les Timurides sont plutôt dans cette région là. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Toi, tu vas venir ici. Voilà. Parfait. Ici, on peut rien faire de mieux. Ici, toujours les mêmes. Ici, toujours la même. Ouais. Réserve d'équipement, coût de l'infanterie moins 10%, c'est bon à prendre. On a une relation de trop, oui, c'est juste on le savait, mais on est en train d'annexer la Syrie, donc ça devrait à terme jouer. Ça va prendre un petit moment, mais ça devrait jouer. Industrie artisanale, ok, non, on peut pas, j'ai pas envie de me permettre ça pour le moment, c'est pas grave. Ça aurait été plus intéressant comme toujours, mais j'ai pas envie de perdre les points pour le moment. Alors, il va certainement aller attaquer mon... Vassal, lui, mais on s'en moque. Va prendre Erat, toi. Je pense que c'est pas mal. Birjand a déjà été pris. C'est très, très bien. Ah, en fait, passe par là, plutôt avant. Puis après, t'iras Erat. Enfin, va comme ça, déjà. On verra la suite après. Ici, on a 13 bateaux. Et ici, on a d'autres bateaux. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, vous allez dire bonjour au bateau Timuride. Ici, ok, toi tu vas aller ici, y a pas de problème. Ici on a déjà un stack, il est amplement suffisant pour gérer la situation. Le sac de Bagdad. Okay. Très bien. Ici pour le moment tout roule. Ici aussi. Nickel. On va prendre un. Toujours moral naval. Ok, on a défoncé des bateaux timurides. Très bien. Je pense que maintenant, vous pouvez retourner protéger le commerce au golfe d'Aden. Merci. Et vous pouvez aller faire un petit peu de... hein, blocus comme il faut. Alors, on va voir. Fin de la trêve avec Sirind. Ok, on s'en fout. L'Irak nous demande la paix. On la fera nous-mêmes, la paix. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Irak? Alors lui il part, ce qui est vraiment pas idéal, c'est pas trop ce que je voulais. Et... ok. On a pris cher contre les Timurides quand même. C'est étonnant, qu'est-ce qu'ils valent? Ils sont pas mauvais hein. Tech 15. Offensive. On peut éventuellement avoir de meilleurs généraux. Contre notre tech 16 avec quand même qualité. C'est étonnant. Je sais pas, je connais pas les par cœur les doctrines, traditions, tout ça. Choc des commandants. Morale terrestre plus 10%. Dommage de choc plus 10%. Discipline plus 5%. Ouais, ça va. La plupart des trucs on le voit quand même. Moins 2 d'augmentation mensuelle, c'est pas top ça. Faudrait quand même, malgré tout, donner un général à un gars au moins. Bon, ben, mais moins le moral naval, hein, on va pas s'embêter avec ça. On gagne plus que 5 parce qu'on a un de moins. Quand on aura plus un de moins, mais bon, vous me direz, quand on aura plus un de moins, on aura plus cette, tout ça. Donc, ouais. C'est un peu fâcheux. On va l'améliorer.
Et du coup, on se retrouve tout juste dans le clair. Mais on est quand même dans le clair. Ok, alors, va à Erat, toi, du coup. Ok, ici, ça sert pas à grand-chose de rester par là. Va par là, merci. Là, on vient de gagner cette bataille ici. Alors, on a mangé l'Irak. On va tout donner à la Syrie, voir un peu ce que ça donne. C'est le gros problème, c'est qu'on serait obligé actuellement de donner tout ça à la Syrie. Moi, ça m'embête. Donc, je me dis, si on veut manger l'Irak, puis franchement, on pourrait vouloir manger l'Irak, mais sans hein. L'idéal pour l'Irak, ce serait de faire effectivement... Pouh là là, ce serait beaucoup trop cher. Ok, non... On s'en fout, on les sort, tout simplement. On les sort gratos. Et puis comme ça, on aura une petite trêve de 5 ans contre eux. Dans 5 ans, on aura mangé ceux-là, là. On pourra les manger pour nous-mêmes, si on veut les manger. Ce qui n'est pas sûr, mais bon, de toute façon, on s'en moque. Et puis, pour le moment, allons de ce côté-là avec vous. La naissance de l'Église. Aujourd'hui même, 50 jours après Pâques, nous célébrons la Pentecôte. C'est en ce jour saint, il y a des siècles de cela, qu'est née notre Église. Le Saint-Esprit est alors descendu sur les apôtres et les autres disciples du Christ sous la forme de langues de feu. C'est ainsi qu'ils se prirent à parler toutes les langues du monde, leur permettant de porter la parole de notre Seigneur dans tous les pays et de convertir des milliers d'âmes à la seule véritable foi. Une nouvelle ère a commencé, a alors commencé, l'âge prédit par le Messie du royaume de Dieu. C'est en mémoire de cet événement que nous célébrons l'une des fêtes les plus importantes de l'Église, lisant ensemble la Bible, chantant des hymnes joyeux et nous agenouillant en prière. Très bien, n'épargnons aucune dépense pour ce grand jour, on perd plein d'argent pour notre Pentecôte, pas mal de puissance diplomatique, ce qui est pas idéal. De là, on se fait la seule vraie fois plus 1, ou alors on s'en fout et on s'en fout. Parce qu'on a ni l'un ni l'autre, on n'a pas les points diplo, on a les points diplo actuellement, mais on n'en génère pas énormément, on va même en perdre gentiment. Et on a besoin du reste de notre argent. Succès de la conversion, très bien. D'autres conversions intéressantes à faire. Intab a été légitimé, ce qui veut dire aussi qu'on peut légitimer Malaita. Donc, non, on peut pas. On peut pas légitimer ça. Parce que ça n'a pas été... Ok, c'est embêtant. Alors, ensuite, on va apaiser les dirigeants locaux deux fois, prendre notre mission. Très bien. On va développer encore un petit peu chez eux. Il n'y a plus de dettes à rembourser. Non. Ouais, ici, ce sera pas mal. On peut développer un petit coup là. Deuxième petit coup là, voilà, comme ça on est à 40%, c'est tranquille. Du coup, nous on va devoir... Ok. Jusque là ça va, parce que nous on n'a pas fini de légitimer Adana. Parce que je pense, comme je vois les choses, ouais, eux avaient une revendication. Donc c'est pour ça qu'ils ont fini avant de légitimer. Et nous, on a encore un petit moment avant de finir notre légitimation de ça. D'accord. Par contre, du coup, bon, ça, ouais, de toute façon... Eintab, non, mais Maltaya, on peut y aller, pour le coup. Ça devrait pas poser de problème. On perd un petit peu d'argent, c'est le seul problème que ça pose, mais on a encore des renforts. Ok, bon, bref, c'est un peu embêtant ce qui s'est passé, mais tant pis. J'avais pensé, il me semblait qu'on pouvait quand même légitimer, si c'était à côté d'un vassal qu'il avait déjà légitimé, et que le problème c'était qu'on pouvait pas prendre parce qu'il avait pas encore légitimé la province. Mais, ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça se défend. C'est pas grave. J'ai pas trop suivi ce qui se passe ici. On va faire ça comme ça pour vous. Ok. Voilà, vous allez par là, très bien. Ici, vous continuez votre siège, tout ce qui
Ok, très bien, d'accord. On améliore les relations au max avec Khorasan. Ouais. Faire un petit réseau d'espions chez Timmy. Voilà. Les techs, toujours ça. Bon, plus que une année, plus que quelques mois en fait. Nouveau dirigeant de ligue, c'est les Caraïbes. Mais c'est cool, tant mieux. C'est bien, hein? Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas? Voilà. Siège de RAT remporté, super, ok. Alors, il va falloir qu'on vire les Kazakhs, un mot, un autre. Il y a beaucoup de monde dans cette région. Ils n'auront pas le temps de venir, on n'est pas sur une mauvais endroit. On devrait pouvoir les stack wipe tranquille, ceux-là. Ceux-là avancent dans cette direction. Ils sont un petit peu trop pour nous là. On va peut-être se recentrer un petit peu. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez ça, donc ça, on vous le tourne aussi. Toi, je pense que ça peut être intéressant que tu viennes par là aussi. Alors viens, ouais, viens là, ça ira très bien. On n'a pas besoin, on peut garder un stack ici et je pense un stack là aussi. Pas de souci, donc toi tu viens aussi là, par là. Ça, on aura un peu du monde pour faire face aux attaques timourides qui devraient pas trop tarder. Nouvelle province légitime. Alors on continue, du coup. Ah, du coup maintenant on peut toutes les légitimer. Pourquoi? Je me plains pas, hein. Je comprends juste pas pourquoi. Normalement, on devrait pas pouvoir tous les légitimer. On va pouvoir légitimer que Ain Tab, puis après Malatia, pardon, puis ces deux-là. Bon, pas se plaindre. Il y en a une évidemment qu'on peut pas, hein, puisqu'on l'a pas encore. Très bien. Puisqu'on est en train de la convertir. Ok, alors tu vas aller à Erat, toi. Erat, ouais, c'est bien ce que je pense, effectivement. On peut aller te chercher là, mais notre dernière bataille a pas été top, honnêtement, donc je suis pas super fan de l'idée. On va quand même la retenter parce que. Ouh là là, j'ai pas vu qu'il y avait ceux-là là. Ouh là là, c'est très mauvais. Ok, je les avais pas du tout vus, ceux-là, je pense qu'ils étaient là d'ailleurs, planqués. Ok, bon, c'est pas grave, ça nous donnera quand même une petite idée de un peu pourquoi ça s'est mal passé cette dernière bataille. Ici c'est évident, hein, le pourquoi n'est pas trop à chercher. Viens par là, je pense que c'est plus sage. Ici. Ouais, on peut aller à Shiraz pour le moment, le temps que les autres arrivent de toute façon. Ici, toi t'arrives dans le bon sens, c'est bien, toi t'es en train de t'occuper de ça, c'est super. Ici, tu t'occupes des futurs rebelles, il n'y a pas de problème. On peut légitimer Adana. Non, convertir Adana. Financièrement, on est un peu trop short. On est même bien bien short comme il faut. Ouais, c'est un peu erratique. Peut-être est-ce dû aux réparations de guerre qu'on a, hein, qui ont tout d'un coup eu un spike. Mais là, on perd beaucoup pour le coup. Bon, la lutte contre la corruption est un problème, c'est sûr. Et ça va prendre 3 ans, ça, quand même, à se résorber. Hein. On peut pas se permettre de perdre 5 par mois pendant 3 ans. Quand est-ce qu'on peut aller chercher la contribution? 1611 dans 2 ans. 2 ans et demi. On peut pas se permettre ça non plus. C'est embêtant. J'aurais bien voulu récupérer un peu des points diplo. Là, on va en perdre un par mois. C'est pas grave. Ok. Séparatiste ottoman à Malaï. Et compagnie, donc j'imagine si on regarde, c'est quoi Malatia, je vais y arriver. Malatia, Adana et Ain Tab. Ok, certainement Malatia, mais peut-être Adana. On va se mettre ici au cas où, ouais, avec celui-là, si tu veux, on s'en fout de toute façon pour un de choc de plus ou de moins, franchement. Ok, là on va arriver. Ah, le problème, c'est qu'ils, ouais, ils ont pris instantanément Erat. Bon. Tant pis. Ce que tu peux faire, toi, tu peux aller là déjà. Je pensais pas qu'il y aurait autant de Timurides que ça. On va faire avec. Super. Ok.
Ok, tout est... Ouais, tout est colorié pour eux, c'est très bien. Si on cherche, regardons par exemple, rétrocéder des provinces. Alors, Khorasan, Afghanistan, Khorasan, Khorasan, Afghanistan, Khorasan, Afghanistan, Afghanistan, Khorasan, Afghanistan, Afghanistan. Là, ok, on peut pas tout prendre. On prend quand même 34 d'expansion agressive. Si je vire tous ceux qui sont à l'Afghanistan, voilà. On prend quand même de l'expansion agressive, donc c'est pas lié à ça. Ok, tu remets à Khorasan, à Khorasan. Je me disais que vu que c'était notre CB, peut-être que ça ne donnait pas d'expansion agressive, mais que l'autre allait nous en donner. Il y en a d'autres à donner à Khorasan. Je crois qu'on a fait le tour en fait. Donc ce serait tout ça. C'est quand même pas énorme. Donc on pourrait déjà aller chercher quelques-unes à l'Afghanistan, par exemple Boost. On voudrait aussi Kandahar. Kandahar. Ghazni, enfin Bamiyan et Chor déjà. Bamiyan. C'est Gore, c'est pas Chor. Puis on peut aller sur Kaboul et Ghazni. En tout cas, Kaboul. Ça aurait tout ça encore à faire. Mais déjà comme ça, quelque chose dans ce goût-là, ce serait déjà pas trop mal. On verra, mais on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.